ils me l'ont rendu. Sur Facebook, ce samedi 10 juin, Cléo, l'épouse de Herbert Léonard, a laissé éclater sa joie. Lors des deux dernières semaines, le chanteur a suivi une batterie de traitements pour soigner une pneumonie et une pleurésie infectieuse. À 78 ans, un tel diagnostic aurait eu de quoi effrayer l'interprète de Pour le plaisir. Mais au grand soulagement de sa femme et de son public, tout s'est passé pour le mieux. Malgré une fatigue notoire, Herbert Léonard semble être sur la voie de la guérison. Alors bien évidemment, il est fatigué, faible, mais la remise en forme kiné se remet en place. Martine, son infirmière préférée, reprend ses visites et soins, a écrit Cléo sur Facebook. On repart en avant vers la reprise de la vraie vie. Pour celle qui voyait, il y a 12 jours, son épouse être pris en charge à l'hôpital dans un état critique, l'heure de souffler est arrivée. Bonjour, Herbert est rentré hier après-midi de l'hôpital à la maison. Après 12 jours mal et hospitalisé dans 3 grandes structures hospitalières différentes. Il est rentré. Ils me l'ont rendu. Supérieur à supérieur à Christine Bravo, Stone, Herbert Léonard. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite et d'annulation de concerts après voir si l'état de santé de Herbert Léonard s'est amélioré, celui-ci ne lui permettra pourtant pas d'assurer une partie des concerts qui avaient été programmés dans les mois à venir. Une nouvelle qui n'enchante ni le chanteur, ni son épouse, ni son public. Toujours sur Facebook, Cléo a tenu à exprimer sa déception en quant à ses annulations et à l'inactivité des intermittents du spectacle qui a fait suite à la crise de la Covid-19. Bien entendu, il a fallu annuler un certain nombre de spectacles contractés depuis plusieurs mois, a-t-elle concédé. Et ça si est-il difficile car les intermittents n'ont pas pu travailler pendant plus de 2 années Covid, puis jauge, puis reprise timide des spectacles, et malheureusement, nous devons annuler pour raison de santé. Partie remise. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Cédric Perrin.